Le Grand Paris, est-ce l'opportunité que vous devez saisir? Je vais vous donner ma réponse dans cette vidéo. Je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. On se situe ici aujourd'hui, oui, à Paris, dans cet écrin de verdure. On est très très proche de nos bureaux, du siège social de la société investissementlocatif.com. On est Paris, 11e arrondissement. On est en mesure aujourd'hui d'accompagner des centaines d'investisseurs sur le marché, ici même à Paris, à Lyon, en région parisienne et plus récemment à Marseille. On sera très prochainement dans plein d'autres villes pour vous accompagner, vous aussi, à développer votre empire immobilier. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du Grand Paris parce que c'est un sujet d'actualité, on en parle énormément et je voulais vous donner mon avis. Est-ce que c'est une bonne opportunité d'aller aujourd'hui sur le Grand Paris et d'investir dans cette zone-là? Moi, je dis souvent l'immobilier, quelquefois, le raisonnement, il est similaire à la bourse. Quand ils ont annoncé le Grand Paris, ça s'est directement répercuté dans les prix. Et effectivement, le marché n'attend pas obligatoirement qu'il y ait la nouvelle station de transport à cet endroit-là pour directement se répercuter dans les prix. Alors pour autant, est-ce que c'est trop tard d'investir? Ce qu'on va retenir du Grand Paris, bien sûr que non, l'intérêt c'est le dynamisme économique. Là c'est l'exemple sur cette vidéo sur le Grand Paris, mais on retrouve ce dynamisme dans beaucoup d'autres villes et c'est vraiment ce que vous ayez en tête, c'est d'investir dans des villes porteuses comme ça économiquement parce que c'est ce qui va vous aider non seulement à louer beaucoup plus facilement parce qu'effectivement il y a des gares et des transports qui vont venir à proximité, ça va vous aider à trouver une qualité de locataire puisque économiquement il y a des villes qui il y a des entreprises qui s'installent dans ces nouvelles villes qui vont être beaucoup mieux desservies. Donc c'est vraiment l'intérêt puisque vous allez pouvoir avoir un nouveau public qui va être en recherche de logement et donc toujours louer beaucoup, beaucoup plus facilement. Bien entendu, cerise sur le gâteau, on le sait très bien, ces villes vont être porteuses en termes de plus-value demain parce que le marché continuera à avoir une croissance vraiment favorable. L'ensemble de ces intérêts fait que les villes beaucoup plus proches, que ce soit Paris, que ce soit la première couronne, vont être aussi complètement tirées vers le haut puisque ça va vraiment booster et le phénomène a toujours été comme ça. C'est que comme de toute manière, si on prend cet exemple, il n'y a plus de foncier, on est obligé de se reculer de Paris, première couronne, grande couronne, Grand Paris. Et donc typiquement, c'est parce que le noyau central vaut de plus en plus cher et ça va venir se répercuter comme une onde sur l'ensemble des autres ville. Donc oui, c'est un secteur extrêmement porteur. On le verra encore dans plusieurs années. Si on regardera cette vidéo, on fera un petit flashback. On pourra se rendre compte que les prix ont extrêmement poussé et que c'était une grosse opportunité d'investir dans l'ensemble des villes du Grand Paris parce que c'est le dynamisme économique et c'est vraiment l'ensemble des transports qui vont y être afférents qui vont booster ces zones-là et ça va le booster sur l'immobilier. Donc c'est bien sûr aujourd'hui le cas, on pourra faire encore d'excellentes rentabilités dans cette ville-là, que ce soit sur des studios, sur des T2, sur des produits de colocation, sur des produits de découpe où on achète des plateaux ou encore pour celles et ceux qui veulent se constituer un empire, qui sont des investisseurs plus expérimentés sur des immeubles de rapport. Vraiment un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir. Ça fait plaisir à l'ensemble de l'équipe qui travaille vraiment d'arrache-pied sur ce projet. J'ai besoin de vous. Mettez-moi en commentaire la ville dans laquelle peut-être vous vivez du Grand Paris ou dans laquelle vous avez investi dans le Grand Paris et qui, selon vous, est porteuse. Mettez-moi des noms et dites-moi pourquoi afin que ça puisse vraiment profiter à l'ensemble de la communauté. Pour celles et ceux qui réfléchissent à investir, donnez-leur votre avis et comment vous avez réussi dans ces villes-là à faire des rentabilités extraordinaires et à faire des projets magnifiques qui font que l'immobilier vous rend aujourd'hui créateur de richesses et vous crée des revenus passifs. S'il vous plaît, partagez maintenant en bas de cette vidéo. Pour toutes celles et ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Il se trouve en haut si vous êtes devant votre ordinateur ou en bas si vous êtes sur votre téléphone mobile de façon à ce que vous puissiez vous aussi rejoindre cette communauté et qu'ensemble on fasse de vos opérations immobilières le plus beau des succès. À très bientôt.